Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sûrement la dernière vidéo actualité autour du jeu Reverse 1999 avant la sortie globale du jeu. Il faut savoir que demain, le 25 octobre 2023, il y aura un live japonais, sur la chaîne YouTube officielle de Reverse 1999. Et croyez-moi que je serai en live sur ma chaîne YouTube pour recast justement ce live Reverse 1999 pour voir un petit peu ce qu'il va s'en dire. Est-ce qu'on aura des news? Est-ce qu'il y aura des petites actus un peu croustillantes lors de ce live? Et aussi, la date de sortie ainsi que l'heure de sortie a été dévoilée. C'est très simple, le jeu Reverse sortira le 26 octobre 2023 à partir de 14h. Et je peux aussi d'ores et déjà vous annoncer que je serai en live sur Twitch et sur YouTube à partir de 13h sur le jeu Reverse 1999. En tout cas, un pré-live pour justement nous préparer pour cette sortie globale. Les liens, bien évidemment, de ma chaîne Twitch et de la chaîne YouTube. Bon, vous êtes normalement déjà sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant des lives et des prochaines vidéos sur le jeu Reverse. Bien évidemment, n'hésitez pas à laisser un commentaire à cette vidéo et à la liker si vous êtes chaud patate pour la sortie du jeu Reverse 1999. Pour ma part, je voulais aussi vous partager un peu mes plans pour cette sortie globale. Donc, comme je vous l'ai dit, je serai en live à partir de 13h le 26 octobre, mais... Qu'est-ce qu'on va faire lorsque le jeu va débuter et qu'on va enfin se lancer dans notre aventure? Eh bien, déjà, mes plans, ce sera sûrement de faire un reroll pour essayer d'avoir le personnage Bicorn Bloom dès mon début de jeu. Après, concernant la bannière débutante, c'est pas très important, je me fiche un petit peu de quel personnage je vais avoir. Je vous avoue que n'importe lequel m'irait très bien. Donc pour ça, ça devrait aller. Et puis ensuite, on va se lancer directement dans notre aventure sur Reverse 1999, c'est-à-dire juste suivre l'histoire. Croyez-moi, on va absolument tout suivre. Donc ceux qui n'aiment pas l'histoire du jeu, bon, ça risque d'être compliqué pour vous. Mais croyez-moi que je vais essayer je vais tout regarder, je vais admirer, même si j'avais déjà vu le début de l'histoire de Reverse. Je vais encore regarder ça avec plaisir. Et bien évidemment, les guides seront toujours à disposition sur cette chaîne. Je vais encore sortir plusieurs guides. Là, je vais essayer de vous sortir, lors de la sortie globale du jeu, un petit guide débutant, comme j'ai l'habitude de faire, pour justement vous aider à bien débuter, à ne pas faire des erreurs sur Reverse. Et puis, je pense que à partir de là, on est déjà pas mal. Je vais aussi un peu insister sur le fait que mon serveur Discord, Ligblue TV, est ouvert à tous, que vous pouvez bien évidemment le rejoindre et prendre le rôle Reverse 1999. Vous avez des channels à disposition pour discuter du jeu, pour montrer vos invocations, pour demander de l'aide, pour faire bref ce que vous voulez, vocal avec d'autres gens si vous le souhaitez. Le serveur Discord est à votre disposition pour bien évidemment bien progresser et partager votre gameplay, votre expérience de jeu avec les autres joueurs. Voilà, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps, je pense vous avoir donné les informations principales autour du jeu Reverse avant la sortie globale, c'est-à-dire le live, l'horaire de sortie et mes plans pour la sortie globale si vous souhaitez me suivre bien évidemment dans cette aventure. Moi en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite que de la luck pour vos invocations lorsque vous allez jouer à Reverse 1999. Et pour ceux qui veulent être un petit peu en avance, on se retrouve dès demain à partir de 14h50 pour recast le live YouTube de Reverse 1999 en version globale. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter et à vous abonner et activer la cloche de notification pour suivre les prochaines aventures autour du jeu Reverse. Et puis on se dit à la prochaine, c'est Ilblue, passez une bonne soirée, ciao tout le monde.